La Guinée Kouy, la Guinée Farma, Dunia Mousselmé Bidin, wassalamu alaikum. Je salue la population guinéenne, de l'intérieur à l'extérieur et du monde entier, la population guinéenne, je vous salue. Je salue la communauté chrétienne de la Guinée, de l'intérieur à l'extérieur et du monde entier. La communauté chrétienne, je vous salue. Bon. Je salue tous ceux qui me suivent ici en direct et ceux qui vont venir encore regarder après le directeur, je vous salue. Maintenant là, l'information que j'ai donnée hier là, ça a remis Idi Amin. Les Bala Samoura, les Kumara, Kumura, ils sont tous remis. Les Lansana Kouyaté, ils sont tous panachés à l'heure là. Mais je vais faire d'abord une petite mise au point pour dire la vérité aux Guinéens. Moi, mon combat, c'est un combat national. Mais je n'aime pas les haineux et les méchants, je ne les aime pas. Et je ne vais jamais leurs aimer. Que ça soit clair pour tout le monde. Vous pouvez me juger de votre manière. Mais moi, je suis une femme croyante. Oui. Je suis une femme croyante. Mon combat est là. Je mène un combat national. Mais je combats les haineux aussi qui veulent détruire notre pays. Oui. Et qui sont là à détruire les avenirs de notre pays, notre chère Guinée Conakry 224. Voilà. Je suis prête à leur combattre à n'importe quel moment. Oui. Idi Amin, tu sais, vous savez, les Guinéens oublient. De temps en temps, il faut qu'on réveille encore des histoires pour vous rappeler. Je pense l'année passée, j'ai fait l'interview avec et là, je te gagne la puissance. Le blogueur qui est là. Voilà. Quand j'ai fait l'interview là, ça n'a pas pris une semaine. Les chaînes internes aussi ont parlé. Il y a les autres pays aussi qui ont parlé de ça là. Assalamu alaikum. Donc, le moment que Idi Amin est allé signer le contrat avec le chef d'état-major français. Vous savez là où il a signé? Je veux que la vidéo là part. Je veux que la vidéo là part chez les Burkinabés, chez les Maliens et chez les Nigériens aussi. Oui. Parce que je vais donner des informations aujourd'hui qui leur concernent, qui concernent tous les pays africains. Oui. Partagez très bien. Quand je vous dis de partager les vidéos, ma vidéo, partagez. Je ne vous demande pas de partager la vidéo. Mais pour distribuer et partager la nouvelle, il faut le faire. Raison pour laquelle je vous demande. Bon, Idi Amin est allé signer le contrat là. Je vais vous détailler qu'est-ce qui est même dans le contrat là. Aujourd'hui, je suis fatiguée, mais je vais prendre mon temps pour vous expliquer. Idi Amin a signé la convention là dans le bateau
sur la mer. Idi Amin, c'est pas là-bas que vous avez signé. Tu es parti avec tes diplômes. Parce que quand la France a perdu le Mali, la France a perdu le Burkina, la France a perdu le Niger, Niamey. Oui. Maintenant, il y a une force à l'attente que tous les Africains, pays africains, doivent sont concernés pour cette nouvelle. J'ai été la première à dénoncer, à dévoiler la signature de Idi Amin entre lui et le chef d'état-major français. Ça n'a pas pris 24 heures. Les grandes radios des pays voisins, même la Guinée, ils étaient obligés de faire passer. Parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont fait passer ça. La nouvelle sur leur télévision nationale même. Et leur radio. Oui. Donc ce contrat-là a été signé là-bas. Sur la mer, dans le bateau, Idi Amin est parti avec ses diplômes. Avec ses diplômes. Parce que quand Mamadi a fait le coup d'État, Idi Amin est rentré en Guinée avec quelle intention? Pour prendre le pouvoir, de remettre le pouvoir à Idi Amin, général Aboubacar Sidiki Camara, Idi Amin, actuel ministre de la Défense en Guinée-Conakry 224, actuel ambassadeur encore à Cuba. La même seule personne-là, c'est lui, général Aboubacar Sidiki Camara, alias Idi Amin Déboroué, un fumeur de Yembenyari, chambre indienne. Chambre indienne, il utilise ça. Donc, quand j'ai dévoilé ça, ça a pris les pays, tous les pays africains. Maintenant, je viens vous dévoiler pourquoi Idi Amin se bat pour faire le coup d'État à Mamadi Doumbouya. Oui, parce que son intention après le coup d'État, c'est lui qui devait venir. Mais il a été bloqué par Mamadi. Donc, tous ceux qui peuvent déranger Idi Amin et Bala Samoura à l'heure là, il faut qu'il élimine tous ces gens-là. Quand il arrive maintenant à prendre Mamadi, maintenant qu'il aura une route ouverte, un chemin ouvert pour lui. Bon, maintenant, comme la France a perdu les pays là, qu'est-ce que Macron prépare, la France prépare maintenant à créer pour contre les pays africains? Il y a une force en attente, une dangereuse force en attente, comme les Wagner là. Donc Idi Amin est sollicité pour ça. Il a fini de déposer ses diplômes là-bas. Maintenant, quand il prend Mamadi, lui, ils vont créer, ils vont éliminer l'armée guinéenne et créer une autre milice. Ça serait des Maliens recrutés, des Sénégalais recrutés, qui sont tous contre les pouvoirs en place. Ils seront tous récupérés pour contrôler les pays africains, comme les Wagner. C'est ça même qui est dans le contrat là. Raison pour laquelle Idi Amin a mis le Gombo sous les deux pieds de Mamadi Doumbouya. Mais comment le prendre? Il faut qu'il élimine les bons fils d'abord, comme feu général Saliba Koulibaly.
Allah yarham les Amara et les bons fils de la Guinée, comme le colonel qu'ils ont pris à Bata là-bas, qu'ils ont éliminé de teint clair là, quand ils ont arrêté feu général et Saliba Koulibaly, Allah yarham. Ils ont pris un autre colonel là-bas aussi qui a été maltraité jusqu'à sa mort. Jusqu'à la mort. Donc voilà le plan de Abakar Sidiki Camara et Bala Samoura. Général Abakar Sidiki Camara, actuel ministre de la Défense de CNRD, en Guinée-Conakry 224. C'est ce que la France prépare maintenant pour mettre en place partout en Afrique. Que la France ne gagne pas l'intérêt, maintenant c'est les vagabonds groupes là qui vont renverser les présidents là. La nouvelle là doit partir vers Burkina et Mali, au Mali et Niger, même au Gabon. Voilà une force qui est une force en attente. Une autre groupe créé contre les présidents en Afrique, comme Wagner par la France. Idi Amin est sollicité quand il arrive, que Dieu lui piétine. S'il pouvait renverser et prendre le pouvoir en Guinée, il sera le président des Wagner en Afrique. Donc tous les pays africains, ouvrez vos yeux et veillez sur Idi Amin, pas seulement pour la sécurité de la Guinée, mais tous les pays africains. Voilà une force en attente qui est sur la table de Macron. Emmanuel Macron, le président de la République française. Leur secret, c'est ce que je vous dévoile aujourd'hui. Encore, derrière ça, Idi Amin, vous avez contacté vos groupes cachés dans Tombo aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez compris maintenant que vous marchez dans ma bouche, que vous marchez dans ma bouche. Voilà. Donc le secret de votre coup d'État, chercher le pouvoir, c'est le secret là que je viens dévoiler pour les Guinéens. Et ceux qui sont contre ce que j'ai dit, le coup sur le général Nfamara Camara, fils de feu, Papa Diara, Allah Yarham, je peux leur dire que j'ai bien fait. À ma langue même, Soussou, Mfatara. Oui. Je suis contre Amara par leur mauvais comportement. Oui. Mais la manière dont ils ont utilisé feu général Sadiba Koulibaly, c'est la même manière qu'ils vont faire à Mfamara aussi, si lui et sa famille ne prennent pas leurs responsabilités. Moi, je n'ai pas de haine à garder. Raison pour laquelle, jusque-là, je n'ai pas de tension et mourir rien. Je dis ce qui est ici et puis je me libre. Oui. Et puis je me libre. C'est ça un bon croyant. Oui. Si quelqu'un me fait du mal, je peux vous éloigner. Mais je ne garde pas la haine dans mon cœur pour me chercher la maladie. Je ne le ferai pas dans ma vie. Oui, j'ai dit ça et je vais vous donner un exemple frappant. Un exemple frappant de moi. Quand la rébellion est rentrée en Guinée en l'an 2000. Il n'y avait pas une bonne attente entre feu
noble président général Lansana Conté et feu général Fassine Touré. Mais dès que la rébellion est rentrée en Guinée, feu président Lansana Conté, quand il a pris son téléphone, il a appelé qui d'abord? La première personne. Il a appelé d'abord feu général Fassine Touré. Feu général Fassine Touré n'était pas en Guinée. Il était en voyage pour ses soins. Feu président Lansana Conté, Allah yarham, il a pris le téléphone. La première personne qu'il a appelé, c'est lui, général Fassine Touré, en lui disant que la rébellion est rentrée en Guinée. Ils veulent attaquer la Guinée. Mais ils sont rentrés vers votre région natale. Donc c'est à vous de voir maintenant. Oui. Général Fassine Touré, Allah yarham, il devait faire une intervention chargerie que vous pouvez comprendre ou quoi ou non. Il a pris sa valise encore, rentré en Guinée, Conakry. Ce jour-là, il descendait à l'aéroport, même son côte-là, c'était comme ça. Il portait une chemise blanche. C'est comme ça qu'il est rentré. Il a oublié son soin qu'il est allé faire pour sa santé. Sa préoccupation était et sa priorité était la sécurité de son pays. Les deux personnes-là ne s'attendaient pas. Donc, c'est des exemples que je vous donne. Ici, aux États-Unis, il y a des États ici, quand tu tues, on te tue. Mais il y a des États ici encore, quand quelqu'un tue, il passera toute sa vie en prison jusqu'à sa mort. C'est pas comme ça qu'on enlève la vie d'une personne. Mais tous les assassinats qui passent en Guinée, je vous dis aujourd'hui et je vous réassure, Mamadi tire sur ses gardes-corps. Oui, il le fait. Il l'a sciemment fait. Mais les assassinats qui se passent sur les militaires, les officiers comme ça, c'est Idi Amin et Bala Samoura. Et avant la mort, avant la dernière respiration du feu général Sadiba Koulibaly, c'est Bala Samoura qui est venu tirer sur sa tête et entre ces deux, celle-là, sur sa poitrine. C'est les deux personnes-là. Ce Bala-là a servi sous le régime du feu président Lansana Conté. Un militaire qui est allé en formation et revenir, refuser de prêter serment pour le président qui a payé sa formation. C'est Bala qui a fait un génie. Lui et Idi Amin. Mamadi ne connaît. Il ne connaît pas les officiers guinéens. Il a fait combien de temps? L'assassinat qui se passe sur la tête, sur les têtes des fils aujourd'hui, bien formés. Mamadi est dans le palais. Il tue ses gardes-corps là-bas. Je répète encore. Mais c'est Idi Amin et Bala qui sont là à assassiner les officiers de la Guinée-Conakry à l'heure là. Parce que leur coup d'État est prêt, mais c'est déjà piétiné depuis hier, quand j'ai dévoilé. Idi Amin, général Aboubakar Sidi Camara, tu ne seras jamais gagnant en Guinée. Tu vas regretter dans ta vie. Depuis le temps, le régime du feu, noble président Lansana Conté,
tu as pris l'intention de faire le coup d'État à lui. J'ai commencé à veiller sur toi depuis ce moment. Moi, ceci, l'ambassade. Oui. Moi, ceci, l'ambassade. Abakar Sidik Camara, général Abakar Sidik Camara. Et Bala Samoura. Bala Samoura a servi sous le régime du feu président Lassana Kontale Yaram. Sous le régime de Dadis, président Dadis, quand on lui a même fait passer à la justice pour le cas du 28 septembre, vous savez, quand il s'est retourné, ce qu'il a dit à Mamadi, il dit, si on m'appelle là-bas encore, si je reviens, ça va casser ici. Depuis ce jour-là, personne n'a vu Bala Samoura dans notre justice. Allez-y observer. S'il s'est rendu là-bas pour une deuxième fois, pourtant la preuve est sortie. Il abusait un père de famille qui a dit merde aujourd'hui à son pays natal pour protéger sa vie. Tout le monde a vu ça. Bala n'est pas parti en prison. C'est le même Bala là encore qui ont tout manigancé pour renverser président Moussa Dadis Camara. L'arrestation des officiers là, c'est leur clan. Le plan monté contre Elhadji Sengou Dalé Ndiallo, quand il arrive à rentrer en Guinée, ça sort de Idi Amin. Hello. How are you? Good. Ça sort de Idi Amin. Ça sort de Idi Amin. Ça sort de Idi Amin. Leur liste est prête. Leur communiqué est prêt. Que lui soit le président de la transition. Alana Mafima. Général Abakar Sidik Camara, Alana Mafima. Anou Alana Mafima, ma son. Parce que ça, les tours, ils n'ont pas fait. Il a dit qu'il n'y a pas de bonhomme. Dieu même voit ce que tu mets sur les fils de la Guinée aujourd'hui, assermentés pour leur pays. Et puis tu oses encore d'aller t'arrêter et dire que si quelqu'un meurt, ou n'avez pas tué, ou ne l'avez pas tué, vous lui avez rendu à Dieu. Ta vidéo là circule partout. On a tout, tout le monde a gardé ta vidéo là pour un jour. Général Abakar Sidik Camara. Moi, personnellement, j'ai gardé dans mes emails. Partout. J'ai gardé. J'ai mis dans beaucoup de places. Ta voix là. Idi Amin a servi. Bala Samoura a servi. Sous le régime du président Alpha Condé. C'est les Bala là et Idi Amin là qui sont associés au coup d'État qui a renversé le professeur Alpha Condé. Voilà votre coup d'État, la manière dont vous avez utilisé feu général Saliba Camara et Koulibaly Alayaram. À ce que la population guinéenne dise au monsieur que vous l'avez utilisé. Vous l'avez utilisé. Général Abakar Sidik Camara, tu as mis d'abord un garde-corps sur lui. Il a nourri ce dernier.
Il a fait une maison pour ce dernier. Il a fait un forage pour ce dernier. C'est le jeune-là qui est allé tomber, Samoura, qui a fait l'accident sur une moto. Ça s'est fait et je vous ai averti. La vidéo est sur ma page. C'est le jeune-là qui était connecté sur feu Saliba. Koulibaly, le Yerham. Donc, les Guinéens, Conakry 224, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, tous les pays africains, prenez cette vidéo, comme moi je parle lentement, et gardez, veillez sur eux. Le général Abakar Siriki Kamara, actuel ministre de la Défense en Guinée-Conakry 224, encore actuel l'ambassadeur à Cuba. Il gère deux postes à l'heure là. Donc voilà une force attente qui attend. Si son coup d'État arrive à passer. Parce que, alors là, c'est les officiers formés là, mais surtout Amara, qui leur dérange alors là. Ils veulent éliminer Amara. Il y a des officiers aussi que Idi Amin veut éliminer. Tidiane Traoré, qu'on appelle comme ça Tidio. Le vendeur de drogue là, le mauvais là qui montait, descendait derrière feu, colonel Ousmane Conté, Alayarham, un ingrat que je n'ai pas vu dans ma vie. Il est dans votre service renseignement là-bas. Il travaille pour lui. Mamadi doit comprendre que Tidio ne travaille pas pour lui. Oui. Même leur, les premiers qui travaillaient là-bas, Ismaël Keïta, c'est Idi Amin qui lui a fait sortir. Le coup d'État de Idi Amin est piétiné à partir d'hier. Donc ceux qui viennent me demander la preuve, je vous donne un peu. Je vous donne un peu. Moi, je vis ici aux États-Unis. Des pays. Le pays des pays. Je vis ici. C'est eux qui m'ont étudié. C'est eux qui m'ont fait de ce que je suis aujourd'hui. Donc, je ne peux pas m'asseoir sans protéger mon pays. Je sais, l'ambassade vous donne sa parole d'honneur. L'ansanokouyati, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. L'intention de Idi Amin, il voulait, s'il gagnait le pouvoir, de mettre en feu Aminata Touré, la fille de Feu Sekou Touré. C'est ce qu'il avait dit. Mais vous savez pourquoi la femme est décédée au Maroc? Le matin, la journée, la nuit, ses parents l'appelaient. Encore il faut revenir maintenant, encore il faut revenir maintenant. Dès que la femme l'a rendu l'âme, la première personne qui a pris la fuite d'aller fouiller la maison de feu Aminata Touré et prendre les dossiers dans sa maison, c'est général Ibo Abakar Siriki Kamara qui l'a fait. C'est lui qui a fait. Donc que ça soit clair pour les soussous, mes parents forestiers, mes parents peuls, mes parents malinqués, tout le monde doit veiller sur Idi Amin. Même les pays voisins doivent veiller sur Idi Amin. Inch'Allah, Idi Amin,
ton vœu est déjà pété. Momini Radi Meloula. Il faut que tu aies un de bilan, ça ne compte pas. Je suis là. Je Mama dit que je ne suis pas là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je mama di Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis à nos enfants qui tournent et qui ont une fois les minables. À ce moment, force spéciale était, dis-moi, et voulait tomber sa mère. Et ça ne rend pas ma maman dit une fois fini. La rangue a dérangé ma mère, oui. Annie est un bien éliminé fini, et n'a rien. Fais ça, les bas, Koulibale Rafaré Rambila. Et si garnait sa colonel de défense. Batakui, et n'a pas bon bonheur. Bala Samoura Mouse Fensi. Ma sana régime n'a pui. Dadi sera régime n'a pui. Alpha Konde régime n'a pui. Seroba ratan dondrunti n'a pui. Maintenant, Bala Samoura veut être ministre de la Défense. Il y a un contrat qui est malheureux. Il y a un contrat qui est malheureux. Il y a un contrat qui est malheureux. Il y a un contrat qui est Nous avons fait des choses qui nous ont fait des Donc, nous avons fait des choses qui nous ont fait des choses. Nous avons fait des choses qui nous ont fait des choses. Nous avons fait des choses qui nous ont fait des choses. Nous avons dérangé. Nous avons fait des choses qui nous ont fait des choses. Nous avons fait des Aha maniera passe ma kirana kana na bara ya ma khifulo ba wuri fama aha sona ne ba wuri e fisen wali ya mo ngelu gama yam fante mu lu gama di usman gawon woye tu fi cnr di bi e di amina kha ma posteri ne la na basir jallo e di amina kha ma posteri ne la Et nous lançons un coup à ta mère, il t'en a du pouvoir à faire. Il t'en a la faire. Mais il a fait le fier à la main. Inch'Allah, il m'a bien aimé. Marguer, mais il est assigné. Mangan, oui, la mine au main. La Guinée s'orinda, guerre n'a pas risqué au Sénégal. Un militaire de la force spéciale a pris la fuite pour sauver sa vie. Il est rentré au Sénégal. Il est là-bas avec ses parents. Ses parents étaient là-bas avant que lui prenne la fuite d'abord de la Guinée. Ils ont recherché, recherché. Ils ont compris que le gars vit au Sénégal maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une plainte d'Interpol contre lui. Donc il a été arrêté avant-hier. Il a été arrêté avant-hier. Il a été arrêté avant-hier. Mais je tire les oreilles du président Diomaye Faye. Et le premier ministre Ousmane Sonko. Yola, quand on a crié ici, vous priez au nom de Dieu, vous avez pris notre cri à vos deux mains.
grâce aux hommes forts du Sénégal, des avocats, des grandes personnalités comme M. Tine et les avocats qui ont défendu Jibril Sylla. Vous avez vu maintenant ceux qu'ils ont mis sur le Saliba. Maintenant, si vous arrivez à libérer ce militaire-là aussi, Daouda Bangoura, ils vont l'assassiner avant de rentrer même sur le territoire guinéen. Déjà, il est sorti avec beaucoup de secrets. Là où Mamadi met même les militaires qui ont assassiné, qui ont été assassinés le 5 septembre l'an 2021, il est sorti avec beaucoup, 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 beaucoup de vidéos. How are you, baby? Là où on lavait, la pompier même est venue laver la route entre l'église catholique et notre ancienne école, la place des maritimes. Et là où on met la fleur pour les maritimes et la banque centrale. Il a fallu ce jour-là, vers avant 6 heures du matin, que le pompier vienne laver le sang des êtres humains. Il y avait des personnes même qui ont eu leur tête ouverte. Je vous dis, il y a des personnes, il y a deux ou trois militaires qui ont perdu leur mémoire ce jour-là, quand ils ont vu leurs amis avec qui ils ont passé la nuit. Ils ont été tous assassinés. Le jeune Daouda Bangoura est sorti avec beaucoup de preuves. Beaucoup de preuves. Ils ont voulu le tuer. Il n'a rien fait de mal. Rien. C'est le général Idi Amin qui veut l'assassiner. Comme il vient d'assassiner feu général Saliba Koulibaly, Alaye Arkham. Donc l'autorité sénégalaise, je vous lance ce message-là. Les croyants, que vous prenez à vos deux mains, on vous respecte et on a beaucoup de respect pour vous et vous êtes des croyants. Protégez la vie de Daouda Bangoura. Alors là, ils ne font que éliminer les fils assermentés de notre pays, Guinée-Conakry 224. Donc, on a créé une affaire. Une force spéciale d'une renfaire qui ramène et barakoulouna na Sénégal ne. N'a ramené le vieux fait mène Sindhi. Parce que Sénégal, nous, la Guinée, c'est la famille. Comme entre nous et Mali, entre nous et Burkina, entre nous et la Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est la famille. Moi-même qui vous parle comme ça, la maman de mon feu, papa, elle vient de là-bas, elle est sérieuse. L'Afrique, c'est la famille. Donc, il y a une femme et c'est Interpol et Nanadinganama. Autorité sénégalaise n'a rien à libérer. Mourou la rira. Moura confiance n'a. Et on dingane ya tenira et femme n'a ni ma protéger. Donc au bien quand doua wara ba Daouda Bangoura be en Sénégal Interpol sera na bagama memeni ke barara so yi ma libere ma parce que pays bi fe général Saliba ka fi tourni a kri na han tongo to wa fali bi na tourni na man dangi han bi gi ka pour ku ka pour ku gi jallo saraka ji saw yi re na han wurun tun. Président Dadi Sanahara Sohaï. Et bien, c'est ça. Et c'est ça.
clôture sous mène là. La Guinée est menacée, c'est mène tout. Fouille couche drogue de vie à nous y crack. Qui est kéré mouna, qui est fili mouna, me resserangani batagina. Le wonen de barre fradina ya. Bourma fili nye fangiri. Kéré fine tungati à Bourma. Nada n'y fait mène. Bachir Gialeta n'a pas de ministre de la sécurité, M. Vanfi. Darofoli dandang rimri n'a pas de rosier de Bourma. Il reste à sa place, mon lit. Il ne le mérite pas. Quelqu'un qui amène tel problème. On a nommé une place. Mais rien n'a pas de rosier de Bourma, Amérique. On a connu. Mais ça n'a pas de rabour, Rambé la mène. Quand le coin a dendé, n'a mène à faire d'angina, il n'a mis à taquer. Il n'a pas de caïtina. C'est ce matin, mana. Foyer crack, à nous y couche. N'den a min, mou vidéo et toma. Foy pense ton goué la coquille, n'yema, et n'a ben don. Wata n'a ré, y doma, ou barre me ré. Et ou sa tosse ton fanira. Ou mou yaginara. I barre me ré, barre, foutu oui. Et barre, faille du n'yema, barre qui fanya oui. Je ne sais pas si tu es un film ou un film. Mais tu as une fierté, une dignité. Et tu as protégé. Drogue, c'est une femme ou une jeunesse. Drogue, c'est une femme ou une jeunesse. Tu as une drogue, tu as une drogue, tu as une douce femme. Tu as une femme. Ou bien tu as une femme. Où ça fait au magine ma? On ouvre et t'as connu qu'un drogue là? Et n'en dis tu fais une ni sur une à bendum? Et pense à quoi tu as mis une à bendum? Où est-ce que moi j'étais à mon fera? Où a du nia qu'un fou? Et par ma mon santé a fait une taro moura? A musi maya on couille fan fi moma. Donc c'est une à rouada. La femme a dit mon wadam. A mon femme ou mon enfant dit. Donc, on a parc, mais il est en train de se marier. On doit. L'autorité guinéenne gang qui est là, là, CNRD, s'ils sont là pour la population, ils doivent descendre là-bas. Donc, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Tina hala timman fama inshallah wa mutakam atanna ke salam alaykum rahmatullahi taala wa barakatuh.